là où l'ambiance est du vent faible ce matin sur la Cano. Bonjour à toutes et à tous et bon mercredi. Un mercredi qui commence avec un temps qui est variable, un peu de brume, mais une visibilité suffisante pour aller surfer. Une température extérieure à 18 degrés, une température de l'eau à la baisse à 18 degrés. Une marée qui est en train de finir de descendre. Le plein bas est à 7h25 avec des petits coefficients de 45. Sur cette fin du descendant, le vent est side offshore, nord-nord-est. Il est faible, il y a un beau fort. Le plan d'eau est ridé, les phases de vagues sont lisses. Et on a une houle longue de 12 secondes de période orientée nord-ouest, multipique et en atténuation. 1 mètre en déferlement régulier, 1,20 m sur la majorité des séries, 1,30 m sur quelques grosses séries qui sont un peu plus rares. Toujours des vagues qui sont très multipiques, très fermantes au bord, qui arrivent à dérouler un petit peu au large en proposant des vagues molles qui enchaînent les pics, les sections. Il y a déjà des surfeurs qui rentrent à l'eau, alors que le jour est à peine levé. Donc des vagues de qualité moyenne, surfables sur les bancs du large, sur les meilleurs bancs, il n'y en a pas beaucoup. L'évolution pour le reste de la journée, c'est un train d'houle en atténuation, une brise thermique qui va se renforcer en fin d'après-midi. La bouée Arcachon est à la baisse, à 1,87 m. Les prévisions à 9h, 1,20 m, 1,30 m, houle de nord-ouest, 12 secondes de période, vent de nord-nord-est, 1 à de Beaufort. À 13h, 1,20 m, houle de nord-ouest, 12 secondes de période, vent de nord à 2-3 Beaufort, et à 17h, 1 mètre, peut-être encore 1,20 m, houle de nord-ouest, 11 secondes de période, vent de nord-nord-ouest à 4 voire 5 Beaufort. Meilleur créneau sur la première partie de journée, au large avec la marée basse, ou alors en début d'après-midi avec la marée haute. Le prochain point sera à 7h50. Merci.